Jean-Luc Reichmann n'en revient toujours pas. Bouleversé, l'animateur, qui se produisait hier soir sur la scène du théâtre de la Micoudière, dans le deuxième arrondissement de la capitale, se situait tout près d'Opéra. Quartier où un homme a attaqué des passants avec un couteau, faisant un mort et quatre blessés. Pire que tout, 20 minutes avant l'attentat, plus de 400 personnes étaient amassées sur le trottoir, même pas à 50 mètres de là, pour rentrer dans la salle de spectacle, explique-t-il dans un post, publié ce matin. Et de poursuivre, impensable, insupportable pour moi d'imaginer que cet homme est passé devant notre théâtre, comme me l'ont dit les policiers, seulement quelques secondes avant son attaque. L'animateur des 12 coups de midi a terminé en assurant que toutes ses pensées allaient aux familles des victimes et à toutes les personnes qui combattent au quotidien ces actes terroristes. Fermé les guillemets à l'issue de son spectacle, vers 23h, Jean-Luc Reichmann a également fait une vidéo pour rassurer tout le monde. Sur son scooter, il explique être bloqué, mais que tout allait bien pour les spectateurs. Il est également revenu sur sa représentation qui a eu un goût amer même, si on a vécu le spectacle, le mieux possible assure-t-il. Et de conclure, toutes les personnes qui ont participé au spectacle, ou qui y ont assisté se sont fait évacuer sans aucun problème. Tout est en ordre ici à Opéra. Fermez les guillemets, crédit photo, coadic direct / bestimage.